Nous connaissons tous des techniques plus ou moins efficaces pour repousser les moustiques. Mais existe-t-il des techniques efficaces et naturelles? On voit ça tout de suite dans Happy Nutri. Ces créatures énervantes, zébrées et vombrissantes sont plus que de simples perturbateurs lors de nos pique-niques. Elles sont des dépositaires de maladies plutôt inquiétantes, comme le Zika et la dengue. Et je peux voir dans vos yeux la question brûlante, mais comment nous défendre contre ces monstres microscopiques? On a souvent tendance à craindre les créatures aux dents aiguisées, et moi le premier, comme le grand requin blanc ou le cobra royal. Et pourtant, savez-vous quel est l'animal le plus dangereux au monde? Ce n'est pas le lion, ni le tigre, ou même l'ours. Non, c'est le moustique. C'est lui, ce petit vampire microscopique qui fait trembler le monde, causant des centaines de milliers de décès chaque année en transmettant le paludisme, aussi appelé la malaria ou la fièvre des marais. Le paludisme est une maladie infectieuse causée par des parasites unicellulaires du genre Plasmodium. Il existe 5 espèces de Plasmodium qui causent le paludisme chez l'homme. Le Plasmodium falciparum, le Plasmodium vivax, le Plasmodium ovale, le Plasmodium malariae et enfin le Plasmodium knowlesi. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle, en particulier lorsque l'infection est causée par le Plasmodium falciparum. Les symptômes incluent de la fièvre, des maux de tête, des frissons et de la fatigue. Si elle n'est pas traitée, elle peut provoquer des complications graves telles que le paludisme cérébral où les vaisseaux sanguins du cerveau sont bloqués, ce qui peut causer des convulsions, le coma, voire la mort. Alors, quelle est notre armure contre ces Dracula juniors? Parlons du DIT, ce répulsif qui a été notre chevalier en armure brillante depuis les années 1940, conçu à l'origine pour l'armée américaine. Des études montrent que les répulsifs contenant entre 20% et 50% de DIT offrent jusqu'à plusieurs heures de protection. Bon à savoir, mais attention, c'est un ingrédient à appliquer sur la peau, et non à verser dans votre salade. Les bracelets imprégnés de DIT ne vont pas faire l'affaire. Ils sont un peu comme ces faux régimes qui promettent des miracles. Ils repoussent les moustiques uniquement de la zone couverte par le bracelet, en plus de sa durée limitée dans le temps. Et pour la sécurité, le DIT est considéré comme sûr, même pendant la grossesse, et pour les enfants de plus de 2 mois. Cependant, il est un peu capricieux avec les matériaux synthétiques et peut les faire fondre. Oui, vous avez bien entendu. Donc, attention à vos bijoux en plastique et à vos vêtements synthétiques. Le DIT, c'est un peu comme un invité qui ne reste pas trop longtemps. Il est absorbé par votre peau, fait un petit tour dans votre circulation sanguine, mais il est éliminé de votre système en quelques heures. Par contre, comme tout invité, il peut parfois causer des petits soucis. Mais rassurez-vous, le DIT est probablement beaucoup moins toxique que ce que la plupart des gens pensent. Il a même un profil de sécurité remarquable après plus d'un demi-siècle d'utilisation. Mais alors, comment l'utiliser correctement ? C'est simple, il suffit tout simplement de suivre les instructions sur l'étiquette du produit. Appliquez-le uniquement sur une peau intacte et non irritée. Évitez les yeux, la bouche et soyez parcimonieux autour des oreilles. Vous pouvez l'appliquer sur le visage, mais ne le vaporisez pas directement dessus. Quel est le roi de l'anti-moustique? Eh bien, dans un combat en tête à tête, le DIT est le champion poids lourd. C'est un peu comme le Rocky Balboa des répulsifs. Imperturbable et victorieux, même face à la menace que sont les vampires volants. Mais, et c'est un gros mais, ces résultats sont basés sur une étude qui a une vingtaine d'années. Y a-t-il un nouveau aspirant au trône qui pourrait détrôner notre cher DIT sans faire fondre nos lunettes? Mesdames et messieurs, faites place à la picaridine! Elle fait son entrée avec élégance telle une danseuse d'étoiles, sans l'odeur caractéristique et l'irritation de notre cher DIT. D'ailleurs, il semblerait que la picaridine ait remporté le prix du meilleur insectifuge décerné par Consumer Reports. Mais attention! Tout comme pour une bonne recette de pâtisserie, la concentration est cruciale. Une picaridine à 20% se hisse au sommet, mais si elle est à 5%, elle se retrouve en bas de l'échelle. Il y a toujours des effets indésirables potentiels, mais ils sont généralement mineurs. Une irritation des yeux, des vomissements, une irritation buccale. Et puis, tout comme on n'avale pas du shampoing ou du parfum, on n'est pas censé manger du picaridine ou la vaporiser dans les yeux. Et les gadgets électroniques alors? Toutes les études montrent qu'ils n'ont aucun effet sur le nombre de moustiques qui vous attaquent. La picaridine, d'ailleurs, est un produit chimique synthétique, inspiré d'un composé trouvé dans le poivre noir. Ah, les merveilles de la chimie! Mais qu'en est-il des alternatives naturelles? Avant de vous emballer, rappelons-nous que « naturel » ne signifie pas toujours « sans danger ». Regardez le cyanure, il est naturel, et pourtant, on évite généralement d'en consommer à son état le plus biodisponible, souvent cru, qui peut causer la mort comme on peut le voir dans de nombreuses fictions telles que Breaking Bad, Batman ou bien même James Bond. Plusieurs huiles essentielles ont été testées pour leur potentiel anti-moustique. Malheureusement, la plupart d'entre elles se sont révélées peu efficaces.
Seules quelques-unes, comme l'huile de cannelle, ont montré une certaine efficacité. Et encore, elles ne durent qu'une heure et demie. Mais c'est mieux que rien. Et que dire de la citronnelle? Cet ancien guerrier réputé comme un anti-moustique? Eh bien, malheureusement, elle est plus efficace à repousser vos invités lors d'un barbecue que pour repousser les moustiques. Elle offre une protection que pendant environ 10 minutes et demie. Mais ne désespérez pas, amateurs de naturel, il y a un chevalier vert à l'horizon, connu sous le nom de Eucalyptus citronné. Le CDC l'a même recommandé comme répulsif à base de plantes. C'est un peu le Gandalf des anti-moustiques, qui apparaît à la rescousse quand on a le plus besoin de lui, pour ceux et celles qui ont la ref. Consumer Reports l'a classé parmi ses 3 meilleurs choix, offrant une protection contre les moustiques et les tiques pendant au moins 7 heures. La première question que je me suis posée concernant les moustiques, c'est peut-on repousser les moustiques simplement parce qu'on mange? Avec l'ail, on sait que ça fonctionne contre les vampires, mais qu'en est-il sur les autres suceurs de sang? Certaines personnes semblent être un véritable aimant à moustiques. On pense que c'est en partie dû à la génétique, car les jumeaux identiques ont tendance à être autant attirants l'un à l'autre pour les moustiques, contrairement aux jumeaux non identiques qui ne partagent que 50% de leur ADN. Il n'est pas encore clair si certaines personnes se sentent simplement meilleures pour les moustiques ou non. Par contre, on sait que les femmes enceintes sont 2 fois plus attirantes pour les moustiques porteurs de la malaria. Raison de plus, mesdames, pour vous prévenir encore plus de ces suceurs de sang. Et il semble que la sueur joue aussi un rôle. Les moustiques sont attirés par certains composants de la sueur humaine, mais il semble que la sueur des aisselles soit moins attrayante que celle des mains ou des pieds. Cela pourrait être dû à des résidus de déodorant, car quand on a demandé aux volontaires de ne pas utiliser des produits pour la peau pendant 5 jours, il n'y avait plus de différence. L'une des choses les plus terrifiantes, c'est que les parasites qui causent la malaria, appelés aussi le paludisme, rendent leur hôte plus attirant pour les moustiques porteurs de la maladie. C'est une façon stratégique pour le parasite de passer d'une personne à une autre, c'est-à-dire qu'il attire des moustiques avec ou sans la maladie, ces derniers picotent, déjà parasités, et deviennent eux-mêmes porteurs de la maladie pour aller ensuite le répandre sur d'autres espèces vivantes possédant du sang chaud et appétissant. D'autres parasites utilisent des techniques similaires pour manipuler leur hôte et se propager. C'est à la fois flippant et ingénieux. Alors comment pouvons-nous nous rendre moins appétissants pour les moustiques? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez manger ou boire qui pourrait rendre les moustiques moins intéressés? Quand on cherche des études sur l'alimentation et les moustiques, on trouve beaucoup de choses sur ce que mangent les moustiques, mais pas sur ce que nous pourrions manger nous pour limiter les attaques. Nourrir des souris avec différents régimes a un impact répulsif, mais qu'en est-il des humains? On entend souvent dire que les suppléments de vitamine B ou l'ail peuvent protéger contre les moustiques. Il y a même des gens qui recommandent de manger de la levure de bière ou de boire de l'alcool pour les repousser. Mais il faut toujours tester ces idées pour savoir si elles sont vraiment efficaces. Des chercheurs du Connecticut ont donc mené une étude pour voir si l'ail peut repousser les moustiques ou non. Ils ont comparé le nombre de moustiques qui piquaient des personnes qui avaient mangé de l'ail à ceux qui piquaient des personnes qui n'en avaient pas mangé. Et ils n'ont trouvé aucune différence. Cependant, manger de l'ail pourrait aider à se protéger contre les tiques. L'armée suédoise a mené une étude et a constaté que la consommation d'ail pouvait réduire les risques de piqûres de tiques d'environ 20%. Mais une réduction de 20% n'est pas très importante comparée aux insecticides sur le podium. Mais cet aliacé possède des effets secondaires très positifs sur notre santé. Il fait même partie des meilleurs aliments anti-cancer de notre planète. Il a été démontré que traiter nos vêtements avec une substance appelée permétrine est 100% efficace contre les tiques, qui peuvent transmettre la maladie de Lyme. Donc, même si l'ail peut aider, vous feriez mieux de compter sur autre chose pour vous protéger des piqûres de tiques. Parmi les idées les plus farfelues pour repousser les moustiques, on trouve l'usage des tomates coupées en deux, laissées près du lit, ou bien des mégots de cigarettes trempés dans l'alcool. Imaginez-vous vous frotter vos bras avec des mégots de cigarettes. Belle odeur d'été, non? Ensuite, parlons des bananes. Est-ce qu'elles nous rendent plus ou moins appétissants pour ces charmants suceurs de sang? Eh bien, ce sont les chercheurs du Wisconsin qui ont décidé de trancher. Verdict? Vous risquez d'avoir plus de bisous venant de moustiques après avoir savouré une banane que venant de votre conjoint ou conjointe. Une banane peut engendrer jusqu'à 11 contacts supplémentaires avec ces petits vampires après une heure. Désolé pour les fans de bananes, mais c'est la science qui dit ça. Le plus drôle dans tout ça, c'est que le nombre de bananes que vous mangez n'a pas d'importance. Manger 15 bananes ne vous rend pas plus délicieux à leurs yeux que si vous en mangez qu'une seule. Et maintenant, parlons d'alcool. Est-ce que boire nous rend plus ou moins attractifs pour ces insectes vampires? Eh bien, il a été démontré que l'ingestion d'alcool attire davantage les moustiques. Oui, vous avez bien entendu. Prenez une bière et vous augmenterez votre risque de devenir un buffet pour moustiques de 25%. Ce n'est pas le moment de s'évanouir dans une ruelle après une soirée bien arrosée. Et ce n'est pas seulement parce que vous avez bu de la bière. Cela peut aussi dépendre du type d'alcool. Mais ne paniquez pas encore, parce que ces études ont été menées sur une seule espèce de moustique. Celle qui transmet la dengue, le zika et la fièvre jaune. Donc, avant de vous nommer Sam, celui qui ne boit pas en soirée, ou d'annuler votre prochaine soirée,
Attendons d'avoir plus d'informations. Et les vitamines B alors? Elles sont souvent présentes comme le remède miracle contre les moustiques. Malheureusement, des études montrent que les vitamines B1 et B6 ne sont pas des répulsifs efficaces contre les moustiques. Désolé à tous les fans de compléments alimentaires, mais ce n'est pas encore ça la solution miracle. En fait, aucune des vitamines B testées n'a montré un effet répulsif contre les moustiques. Même la B1, souvent vantée comme le Graal anti-moustique, s'est révélée d'être inefficace. Et cela vaut aussi pour les patchs anti-moustiques à base de B1. Bref, le monde de l'anti-moustique est rempli de mythes et de fausses promesses. Mais n'abandonnez pas, continuez à chercher, à expérimenter et surtout à rire de toutes ces méthodes bizarres que vous rencontrerez au cours de route. Parce qu'au final, la science est là pour nous éclairer et nous faire apprendre tout en passant de bons moments. Même si les moustiques semblent gagner la bataille pour l'instant, nous avons toujours des solutions grâce à notre merveilleux cerveau humain qui nous apporte l'intelligence pour nous adapter, innover, etc. Alors ne laissez pas ces petites bêtes gâcher votre été. Bonus, tout en enregistrant cet épisode, je me suis dit en arrosant une plante carnivore. Tiens, quelle est l'efficacité des plantes carnivores à lutter contre les moustiques? J'ai épluché par curiosité quelques études scientifiques et boum! Voici un résumé de la première. Des chercheurs ont contrôlé la capacité prédatrice de plantes carnivores aquatiques. Oui, les plantes carnivores ça existe, et oui, il existe aussi des plantes carnivores aquatiques. Sur des larves de moustiques, car la plupart des moustiques pondent leurs larves dans les eaux stagnantes. Quel a été le résultat? La présence de la plante carnivore a réduit, écoutez bien, de 95 à 100% la survie des larves de moustiques en 5 jours. De plus, les fragments de plantes qui n'avaient pas eu de proie pendant 6 mois étaient de meilleurs prédateurs que ceux privés de proie pendant seulement 1 mois. Je trouve ça dingue. Donc en gros, en raison de son efficacité élevée et de sa capacité unique à la prédation facultative, les chercheurs suggèrent que cette plante pourrait être développée comme méthode de contrôle des larves de moustiques. Mais vous savez ce qui est encore plus dingue? C'est qu'il existe plus de 800 espèces reconnues de plantes carnivores, réparties dans plusieurs familles et genres. Donc, étant donné tous les effets positifs des plantes, avoir quelques plantes carnivores chez soi ne peut pas faire de mal. Si le sujet des plantes carnivores pour réduire les attaques de moustiques vous intéresse comme moi, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire un contenu spécifique à ce sujet. Ce qu'il faut retenir. Les moustiques sont des vecteurs de maladies dangereuses comme le paludisme, le zika et la dengue. Le paludisme est causé par le parasite Plasmodium qui se multiplie dans le foie, puis dans les globules rouges. Pour se protéger contre les moustiques, l'utilisation de répulsifs contenant du DEET, qui est sûr pour la plupart des individus, est efficace et plutôt recommandée. La picaridine, elle, est une alternative efficace au DEET pour repousser les moustiques sans son odeur et son potentiel d'irritation. Cependant, la concentration est importante, 20% de picaridine étant optimale. Les appareils électroniques ne sont pas efficaces contre les moustiques qui vous rôdent autour et peuvent tuer des insectes non dangereux, à utiliser avec précaution. Parmi les solutions naturelles, l'eucalyptus citronné est recommandé par le CDC et offre une protection pendant au moins 7 heures. Du coup, le DEET, la picaridine et l'eucalyptus citronné sont tous les trois des choix efficaces pour la protection contre les moustiques. La génétique et la sueur peuvent rendre certaines personnes plus attractives pour les moustiques. Les parasites peuvent également rendre leur hôte plus attractif pour la transmission de maladies. Malgré leurs croyances populaires, il n'y a pas de preuve que l'ail ou d'autres aliments repoussent efficacement les moustiques au niveau des trois insecticides sur le podium. Par contre, l'ail peut réduire de 20% le risque de piqûre de tique, bien que les insecticides soient plus efficaces. Donc la consommation d'ail pourrait aider, mais d'autres méthodes de protection sont recommandées. Au niveau des mythes sur la répulsion des moustiques, ils existent, mais n'ont pas de fondement scientifique. Il est important de continuer à chercher des solutions scientifiquement prouvées, tout en restant sceptique face aux mythes populaires. Mise en garde. Les effets indésirables sont possibles. Même si les réactions indésirables sont généralement mineures, elles existent. Il est donc important de faire un test cutané avant d'appliquer un produit sur tout le corps. N'hésitez pas à vous diriger vers un professionnel de santé adéquat. Enfin, il est crucial de se protéger efficacement contre les moustiques dans les régions où ils transmettent des maladies graves comme le paludisme, la dengue, le zika ou la fièvre jaune. Utilisez des produits répulsifs certifiés. Les produits concernant du DEET, de la picaridine ou de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné sont les plus recommandés par les autorités sanitaires pour leur efficacité prouvée. Portez des vêtements longs, pas comme moi. Les vêtements longs peuvent aider à prévenir les piqûres de moustiques, surtout lors des sorties en soirée quand les moustiques sont le plus actifs. Évitez l'alcool et les bananes avant de sortir. Selon certaines recherches, comme on a pu le voir, la consommation d'alcool et de bananes peut augmenter l'attraction des moustiques. Pensez à protéger votre habitation. Utilisez des moustiquaires aux fenêtres et autour des lits et éliminez les sources d'eau stagnantes où les moustiques peuvent se reproduire. Soyez vigilant dans les régions à risque. Dans les zones où les moustiques transmettent des maladies, il est essentiel d'utiliser des protections supplémentaires telles que des moustiquaires imprégnés pourquoi pas d'insecticides. Restez informés.
La science évolue constamment. Suivez les dernières recherches et recommandations des autorités sanitaires pour vous protéger efficacement contre les moustiques. Consultez un professionnel de la santé. En cas de doute ou de question, consultez un professionnel de santé qui pourra vous aider et vous donner des conseils personnalisés en fonction de votre situation. Remerciements. Je remercie Civilphage pour son commentaire sur YouTube, je cite. Merci, j'ai adoré. Je vous souhaite un excellent dimanche. Eh bien, un grand merci à toi, Sylvie, pour ton commentaire. Rien ne me fait plus plaisir que de partager des contenus qui peuvent grandement aider. Et concernant la méditation, c'est un peu comme un pouvoir que possède l'être humain, mais que le monde moderne, pour X raisons, nous empêche d'en profiter. Vous pouvez suivre notre travail sur le site happynutri.org et ainsi retrouver toutes les sources scientifiques citées de nos contenus. Je vous mets en description notre sélection des meilleurs rapports qualité-prix d'astuces pour repousser les moustiques. Et comme chez Happy Nutri, on favorise toujours la voie naturelle, vous y retrouverez à chaque fois le meilleur rapport bénéfice-risque. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes nos recherches. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Ciao !